j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test puisque j'ai commandé sur le site Colourpop. C'est un site américain. Vous ne pouvez pas avoir de douane, je vous réponds tout de suite à cette question, puisque quand vous faites votre panier, à la fin, vous avez les frais de port en plus. Dedans, il y a les frais de port, les taxes, donc les douanes. Donc vraiment, vous ne pouvez pas du tout avoir de douane. Moi, j'en ai eu pour, je crois, 80$, donc 70€, il me semble. Je vous mettrai le prix quelque part. J'ai 12 produits pour le teint, pour les yeux et des paillettes. J'ai pété les plombs. Je vous montre tout ça et ensuite, on fait un petit make-up avec tout ce que j'ai pu acheter. Donc, c'est parti, on commence. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et oui, j'ai refait quelques boucles dans mes cheveux. J'adore, ça y est, c'est ma tendance du moment. Bref, on commence par tout ce qui est pour le teint. J'ai pris un blush, la teinte Count Me In, qui se présente comme ceci. J'adore en fait leurs produits, je les connais depuis assez longtemps. Et en fait, je les aime beaucoup parce que c'est une texture entre le poudre et le crème. Et franchement, j'adore. C'est une texture vraiment, vraiment canon. Vous avez également, ça existe, des palettes, mais en texture totalement poudre. Mais moi, si je prends Colourpop, c'est vraiment pour ça. Et ça, je trouve que c'est totalement leur image. Donc, c'est un petit rose pêche, je trouve, complètement mat. Donc, à tester. En espérant que j'ai les pinceaux qui vont avec. Ensuite, j'ai pris le Drop of 8. Désolée pour mon anglais. De toute façon, tout sera écrit ici lors du montage. Ça se présente comme ceci. Hop. Et celui-ci, c'est un pêche un peu doré, je dirais, comparé à l'autre. L'autre, c'était plus un pêche rosé. Là, c'est celui de tout à l'heure. Et là, c'est le pêche doré. J'adore. C'est bien, Bérénice. Donc, ça coûte environ 6,50€ le petit pot. Mais ça vous dure une éternité hein. Si j'arrive à les refermer bien entendu. Hop. Ensuite j'ai pris celui-ci. Je pense que c'est une collection limitée parce que le packaging n'est pas du tout pareil que les autres. Ah si, n'importe quoi, je vous dis que des conneries. Celui-ci c'est le chiffon. Hop. Et ça, c'est un mélange de pêche dorée et rose. En fait, vous avez, ça fait un peu blush highlighter. Ça fait un peu caméléon, vous voyez. Écoutez, c'est canon. Ça, ça m'énerve. Je ne sais pas qui a réussi à trouver mon numéro de téléphone. C'est pas du tout en France. Bref. Et ensuite, j'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus pétard. C'est le Doozy. Hop. Et là, le packaging est comme ceci. Et c'est un pêche vraiment criard. Et ça, je pense que bien estompé, ça peut faire très très joli. J'ai pas du tout pris d'highlighter dans cette commande. Faudrait, pourquoi pas, si je repasse une commande. Peut-être un jour. Donc voilà pour les 4 blushs. Ensuite, je me suis pris un bronzer. C'est le Isle Beat. Avec mon accent anglais magnifique. Pareil, ça se présente comme ceci et il n'a pas du tout de sous-ton orangé, donc ça c'est cool. Tous les produits aussi sont cruelty free si ça vous intéresse. Et en grammage, tout fait 5 grammes. Il me semble que les blushs également. 4,7. Non, 4,2, pardon. Les blushs font 4,2 grammes et là, le bronzer fait 5 grammes. À tester, je pense qu'il faut prendre ça avec des pinceaux duo fibre. Donc écoutez, on verra bien. On va passer maintenant aux yeux. Pareil, j'ai pris 4 teintes. Alors, j'ai pris celui-ci. Je pense que c'était la collection un peu printemps. Les packagings sont très très sympas. Toujours cruelty free. Et donc, eux, les petits fards à paupières font 2,1 grammes. Donc là, c'est la teinte Earth the Prize. Présente comme ceci et je pense que ça bien maîtrisé, vous pouvez peut-être l'utiliser en highlighter. C'est un petit doré et franchement il est canon. J'ai hâte de me maquiller après avec vous.
Ensuite, j'ai pris le Born in LA. Hop. Et celui-ci est arrivé un petit peu cassé. Mais bon. Comme c'est, vous savez, une texture un peu poudre crème, ça ne me dérange pas trop. Mais il est très joli. C'est un cuivré bronze. Pareil. Hâte de le poser sur ma paupière. Pareil, ça, par exemple, au doigt, ce genre de petit eyeshadow, de petit fard à paupières un peu crème au doigt, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris le A Little Quirky. Hop. Qui se présente, attention, comme ceci. Lui, c'est un bronze avec des paillettes bleues, mais je sais pas si vous allez pas voir les paillettes un peu bleu-rose. Franchement, il est très très joli aussi. Et pour finir, pour les yeux, le dernier Super Shock Shadow, c'est le Flower Shield. Et il se présente comme ceci. Lui, c'est un champagne, tout simplement. Pareil, en highlighter, il serait parfait. Hop. Et donc, on va finir avec les pailletés. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai déjà. Ça fait des années que je les ai et ça ne bouge pas. Ils sont toujours aussi nickel, normalement. Parce que ça fait un moment que je les ai utilisés. On va regarder tout ça ensemble. J'ai pris dans la collection Sailor Moon, c'est ça. Des paillettes. C'est des glitters, enfin des paillettes en gel. Et c'est comme ceci. Franchement, c'est canon. Donc, cela s'appelle Moon Priest Power. Et franchement, il y a le petit capuchon en plus pour pas que ça sèche. Et ça, oh, c'est trop joli. Je pense que je vais vous faire un... On va faire un petit... Hop. Un petit swatch. Oh, ça, c'est trop joli, ça. Regardez-moi ça. Vous avez des paillettes toutes fines, des paillettes plus grosses. Franchement, c'est canon. Je suis trop contente. À savoir que j'ai commandé le 1er juillet. Et comme ça vient des États-Unis, ça a mis un peu beaucoup de temps à venir. Ça a mis 20 jours. Mais écoutez, je suis contente quand même. Ensuite, dans la collection tout le temps. En fait, ça fait des mois que je lorgne sur ces glitters là. Mais il y en avait toujours une ou deux out of stock. Et là, comme ça y était, je les ai prises. Et là, celle-ci, c'est la Hopeless Romantique. Donc, dans les pots comme ceci, vous avez 15 grammes. Dans celui-ci aussi, il me semble. 15 grammes pour les glitters. Toujours la petite protection. Je vous le montre comme ça quand même. Ceux-là sont... c'est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Là, vous avez des grosses glitters en forme de cœur. Donc, c'est celui-ci. Ça, j'ai trop hâte. L'été ou quoi, ça peut faire des make-up franchement canon. Je sais que je ne me maquille pas beaucoup niveau extravagance ou quoi. Mais de temps en temps, j'aime trop poser ce genre de petits trucs à Disney ou quoi. J'adore. Trop bon. Et dernier produit, pareil, ce sont des glitters en gel. Et c'est le Avenue of the State, of the Star, qui est complètement rosé, bleu, violet. Hop. Et ça se présente comme ceci. Ça, celui-ci est magnifique. Hop. On va le poser à côté. Donc lui, il a plus des paillettes moyennes. Il n'a pas de grosses paillettes, on va dire. Il est juste là. Franchement, c'est trop joli. Oh, j'adore. Ça, des petits make-up pour faire des photos, Justine, si tu passes par là. Pour faire des photos à la plage, au soleil, au coucher de soleil, ça peut être très très sympa. Donc voilà pour ma petite commande. Là forcément, Bérénice, elle en a mis partout. Hop. Hop. Donc voilà pour ma petite commande 2023. Je sors celle que j'ai déjà, j'enlève ça et je vous montre celle que j'ai déjà. Et comme ça, après, on se maquille ensemble pour tester tout ça. Donc, j'ai retrouvé mes quatre petits Colourpop que j'avais déjà. Donc c'est le Humaze, donc qui se présente comme ceci. Et je vais vous montrer que ça n'a pas bougé. Ce n'est pas sec du tout. C'est toujours là, quoi. Et je vois par contre que j'aime toujours autant les mêmes teintes. Celui-ci, c'est le Fringe. Comme ceci.
C'est toujours bien humide tout ça. C'est vraiment canon. J'en mets partout des paillettes. Je vous ai montré lequel tout de suite. Alors là, c'est le I Love This. C'est un lumineux. Hein. En highlight, ça passe. Ça sent pas mauvais, donc vous voyez, je peux encore les utiliser. Et celui-ci, c'est le Nilionaire, qui se présente comme ceci. Il me fait penser au... vous savez, Maybelline, à un moment donné, ils en faisaient. Et il me fait oh oui, totalement penser. Oh, c'est canon. J'adore. Je suis toujours aussi fan de Colourpop, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de se les... Enfin, c'est pas compliqué de se les faire... venir en fait, mais c'est très long. Et puis, vaut mieux faire une grosse commande d'un coup. Je vais me laver les mains. Vaut mieux faire une grosse commande d'un coup et profiter après. Dites-moi si ça vous intéresserait, par exemple, pour la fin d'année, un concours Colourpop, pourquoi pas. Comme ça me laisse le temps un peu de faire une petite commande plutôt sympa. Avec plusieurs produits, donc dites-moi ça en commentaire. Si pour la fin d'année, pour le Père Noël, ça vous intéresserait un concours Colourpop. On va se préparer ensemble, on va ma se maquiller. On va pas utiliser les anciens, on va vraiment utiliser les nouveautés. Je fais juste mon teint et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait mon teint, je l'ai poudré. On va quand même tester maintenant le bronzer. Donc je vous le rappelle, c'est le Hasselbaite. Et écoutez, je vais prendre un pinceau comme ça, duo fibre que j'ai. C'est de la marque Neve Cosmetics. Ça fait très longtemps que je les ai. Je pense que c'est ce qu'il faut prendre comme pinceau. Donc, on va prendre. Ça fait un peu comme un bronzer crème, hein, tout simplement. Et on va l'appliquer. Donc, déjà, je le trouve plutôt bien pigmenté. Hop! Dans le creux de la joue. On n'oublie pas les oreilles, le cou. Donc peut-être que même une teinte au-dessus aurait été pas mal pour vraiment faire du contouring. Là, c'est du contouring avec cette teinte qui est peut-être un peu plus trop claire pour du contouring. Elle est parfaite pour du bronzing, par contre. Hop. On fait un peu l'arête de nez. Écoutez, la teinte est plutôt jolie, hein. Mais voilà, pour du contouring, qu'on veut vraiment bien voir et tout, bien structurer le visage, elle est un petit peu claire. Mais ça, c'est moi, hein, j'ai dû prendre une teinte trop claire. Mais écoutez, je trouve pas mal. Au contraire, il est assez naturel, donc contente de ce petit achat. J'aime trop. J'aime de plus en plus les produits crème liquide, etc. Vraiment, c'est mon top en ce moment. Niveau bronzer, niveau blush, je vous les remontre. Mais bon, vous ne pourrez pas choisir parce que d'ici là, on aura déjà fait, j'aurai déjà filmé la vidéo. Je pense tester celui-ci. Vous savez, un peu duo. Le duo pêche rose, le caméléon un peu. On va tester celui-ci. Pareil, hein, je pense que je vais prendre un pinceau comme ça, celui-là, c'est de Beauty Bay. J'arrive pas à trouver des très très bons pinceaux comme ça, duo fibre, pour tous les produits liquides crème. Dites-moi si vous en connaissez d'excellents. Dites-moi ça en commentaire. Justine, je pense que tu en connais de très très bons. Me sortez pas des prix exorbitants, mais des prix sympas. Pourquoi pas tester? Parce que ceux-là, je les trouve pas terribles. Vous voyez, les poils, là, ils partent en cacahuète et... Et je vais pas avoir pour le. Vais pas avoir pour. À moins que celui-là. Mais c'est pas du tout duo fibre. Écoutez, on va peut-être tester celui-ci quand même. Bref, c'est parti. On y va. Alors, dessus, il y a des paillettes quand même. Et. Bah ouais. Ça se voit pas du tout avec ça. On va tester avec celui-ci. Comme ça, j'aurai du lavage de pinceau à faire. On aime. Ah, vous voyez par contre,
Ça fait plus highlight que bronzer, je trouve. Ça fait même très highlight. Écoutez, tant pis. On va remettre un petit coup de blush dessus. Parce que ça, c'est plus un highlighter, je trouve, qu'un bronzer. Même un highlight à mettre sur un petit pêche. On va essayer de mettre ce pêche-là. Vous savez, le un peu plus flashy. Celui-ci, voilà, c'est plus un blush. Mais l'autre, par contre, j'ai forcé sur l'highlight, quoi. Je vais manger chez mes beaux-parents, ça. Je vais briller de mille feux. Bon, je ne suis pas convaincue pour le moment par les blushs. Ça fait beaucoup trop highlighter. J'aime pas du tout, franchement. Bah, pas pour aller chez mes beaux-parents, quoi. Bon, écoutez, ça va le faire, mais il faut avoir la main légère. Et ce que je n'ai pas, et vous savez que je n'ai pas cette main légère, ça fait parler, hein. Mais je m'attendais pas du tout à ça, niveau blush. À retester, je pense, pourquoi pas au Beauty Blender. À retester au Beauty Blender, peut-être un Beauty Blender humidifié correctement, etc., pour attraper correctement la matière, je pense que ça peut être bien mieux. Je retesterai cette technique dans un vlog, donc n'hésitez pas à suivre mes futurs vlogs. Et maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Bien entendu, je ne vais pas mettre de grosses glitters, de grosses paillettes, mais je vous les ai swatchés pour vous les faire voir. Je pense qu'on va travailler ces deux-là. Ok? Donc, c'est même... toujours Oh! Même avec un ancien que j'ai, je me dis avec un ancien comme ça, travailler tout ça. On va tester. Pareil, hein. Je n'ai pas forcément de pinceau, je pense, hyper adapté. On va prendre celui-ci de chez Make Up For Ever, un plat. Mais ça n'attrape pas trop la matière, ce genre de petit. En plus. Je mets la teinte là, mais c'était pas du tout ici que je voulais la poser, mais c'est pas grave. Alors on dirait que ça n'attrape pas la matière, mais on en dépose quand même un peu. Hein. Faites voir au doigt. Ouais, au doigt, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est moins précis, on va dire. Mais on va la poser au doigt parce que c'est beaucoup plus joli. Et. On va l'étirer avec le pinceau. Par contre, c'est vraiment canon. Ça attrape hyper bien la lumière. On dirait que c'est un fard pailleté, alors que pas du tout. C'est trop beau. J'adore le rendu. Franchement, très joli. Celui-ci, c'est le Millionaire. Et franchement, il est canon. Il se suffit à lui-même, par exemple. Le matin, hop, c'est vite fait et vous êtes maquillé. Ça, c'est cool. On va faire une petite pointe comme ça de lumière. Et je vais prendre un pinceau de chez Sigma. Peut-être que chez Sigma, d'ailleurs, ils auraient des super pinceaux duofibre parce que ce sont d'excellents pinceaux. Donc, oh oui, je pense que ça peut bien attraper la lumière, la matière. Et on va le poser ici. Oui, ça attrape bien. Et ça la pose bien aussi. Donc, j'ai pas voulu tenter des colorés parce que je me maquille le plus souvent en neutre. Et comme ce sont des fards qui sont mono, j'ai pas voulu tenter, vous voyez, de prendre des monocolorés que j'emmènerai nulle part ou quoi. Que là, même si c'est des monos, comme c'est des neutres, je sais que je pourrais les emmener à des petits endroits. Je ne sais pas si ça plairait, par exemple, ce genre de petit fard à Alexa. Alex, si tu passes par là, dis-moi, ça peut m'intéresser pareil pour un petit cadeau de fin d'année. Mais par contre, celui-ci est magnifique en creux de paupière. Vraiment très, très joli.
Et on va quand même tester un autre nouveau, le A Little Quirky. Et on va essayer de le poser, vous savez, en racine inférieure. Juste ici. Et pareil, ça apporte un peu de lumière. Et j'aime beaucoup. J'adore. Et la matière. La matière, on dirait entre de la poudre, du gel et de l'eau, je trouve. Et franchement, c'est trop joli. Un petit coup de mascara là-dessus. Et franchement, j'aime beaucoup. Je suis déçue par les blushs. En tout cas, par le blush, vous savez, on va mettre celui-ci. Je ne l'ai pas beaucoup testé, celui-ci. En tout cas, par le blush que je vous dis qui fait highlight, je suis un peu déçue. Je pensais vraiment un beau blush, mais pas du tout. Vous savez, c'est le mascara Twist Up de chez Bourjois. Hop, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'aime trop ce make-up des yeux. Ça apporte plein de lumière. Et franchement, je trouve ça canon. Donc voilà. Il est joli, hein. C'est pas non plus... c'est pas le make-up de l'année, je trouve. Il y a un truc que j'aime pas. J'adore les yeux, je trouve ça canon. Et encore, vous voyez, j'aurais même pu mettre, vous voyez, un peu de blush pour faire le creux externe. Je pense que ça aurait fait très très joli aussi. Mais vous inquiétez pas, d'autres make-up arriveront dans les vlogs, tout ça. J'essaye de me maquiller le plus possible maintenant avec vous. Parce qu'en plus, ça me donne envie de me maquiller avec vous. Et là, on va mettre un petit... fait pas tout tomber. C'est très bien cette petite tour, mais c'est mieux si j'arrive à choper ce que je veux. Bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tout ça pour choper ça. J'espère que c'est une teinte que je veux mettre. C'est le No Angel de Marc Jacobs. Il n'existe plus. Marc Jacobs fait plus du tout de make-up. C'était une petite miniature. Et ça fera très bien l'affaire. On a eu trop de mal à l'avoir là-dedans. Donc écoutez, ça fera l'affaire. Hop, me voilà prête. Je vais aller recoiffer peut-être un petit peu ça. Mais j'adore. Franchement. C'est trop joli. Voilà, le blush est canon, hein, le blush highlighter. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je suis un poil déçue. Sinon, je suis très contente de tout ce que j'ai pu me procurer. Je vous attends en commentaire pour, si ça vous dit, un petit concours Colourpop. Mais pour la fin d'année, que j'étale quand même les dépenses. Parce que j'ai plein d'autres idées pour la fin d'année. Cette année, je voudrais vous faire de jolis concours. Pas des concours action ou quoi. Je voudrais vraiment moins de concours, mais de beaucoup plus sympas. Dites-moi donc ça en commentaire si ça vous intéresse, même si je pense que ça vous intéresse. Et dites-moi ce que vous pensez un peu du make-up et des produits que j'ai pu utiliser. En tout cas, moi, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai énormément tourné ce week-end, donc vous n'allez pas rester en laisse sans rien. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et passez un excellent dimanche. Bisous tout le monde.